French President Emmanuel Macron said that he would not lecture Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on human rights. Macron told Sisi that the fight against Islamic terrorism is stronger when we defend human rights and individual liberties. The two countries have close economic and military ties. Human rights groups have accused the French government, which is the second largest military supplier to Egypt after US, of not speaking out against what they claim is a campaign by al-Sisi government to quell dissent. La deuxième chose, c'est que je crois à la souveraineté des États. Et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. Et bien souvent, avec les meilleurs sentiments du monde, nous avons su créer la situation que nous connaissons en Irak, la situation que nous avons eu à connaître en Libye, ou à vouloir donner des leçons hors de tout contexte et à mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs, nous avons produit quoi ? L'anomie, des morts encore plus certaines et de la violence radicale. لتصدير الإرهاب والتطرف والفوضى في العالم كله وده يمس أمن المنطقة وأمن أوروبا كمان وأمن العالم لو ما كناش ناخد بالنا